ici à Ecclesia. Euh, actuellement, on, est, euh, on fait une étude depuis le début du printemps environ, euh, tout au long de l'été, sur euh, un appel pour tous, c'est dans l'évangile selon Luc. Et euh, c'est spécial parce que quand on faisait un peu la division des différents enseignements, euh, je trouvais que ça, ça ressemblait à tu sais, des fois, les, les, les enfants ici, ils s'échangent des cartes Pokémon. Là. Ils sont comme, comment ouais, je vais t'échanger celle-là contre celle-là. Puis là, je sentais que c'est un peu comme ça. Puis que je faisais un peu la, la jalousie de David. Parce que quand on avait vu le passage, j'étais comme, ah, oh, oh, c'est toi qui vas le faire, celle-là, il est bon. Mais après, il lisait le sien qu'il allait faire, il dit, ah, oh, celle-là aussi est bon. qui est correct, là? ça ne dérange pas. Fait que euh, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, euh, le message qu'on va regarder ensemble, c'est, euh, ben, on est dans l'évangile de Luc. On va parler de Jésus qui domine sur la tempête. Euh, on va parler de tempête. On va parler d'une tempête qui est très matérielle, très physique, euh, dans la mer de Galilée, la mer de Galilée qui se déchaîne, et aussi une tempête qui est très spirituelle. Un homme qui est aux prises avec plusieurs euh, entités, euh, plusieurs mauvais esprits dans sa tête et qui est comme pas capable de focuser sur quoi que ce soit, qui n'a pas le contrôle de lui-même. Deux tempêtes. Euh, différentes, mais on va voir comment Jésus domine ces tempêtes-là, euh, comment on peut trouver un secours en Jésus dans la tempête, euh, dans la tourmente, surtout dans la tourmente, parce que parfois on, on cherche moins notre secours en Jésus quand on n'est pas dans la tourmente et on l'oublie quand on est dans la tourmente. Donc, oui, on va parler d'une tempête très matérielle qui peut-être est moins évocatrice pour vous. Parce que moi, spécifiquement, j'ai jamais été sur l'eau lors d'une énorme tempête. Je sais que cette semaine, il y a des gens de notre assemblée qui ont été sur l'eau lors d'une énorme tempête. Euh, les Larose, pour ne pas les nommer. Fait que peut-être que pour eux, les images vont être un peu plus évocatrices de qu'est-ce que les disciples ont pu vivre en termes de panique, mettons. Euh, mais on va voir comment que cette tempête-là peut être une tempête aussi euh, qui nous affecte tous dans nos vies, que ce soit la maladie, des relations brisées. Des moments où on est en pleine panique et on perd tous nos repères. On va voir comment Jésus est encore présent. On a chanté ce matin, Mon secours est en toi. Puis euh, on disait, Jamais tu ne dors, Mon secours est en toi. Donc, euh, ma prière, c'est qu'on puisse euh, méditer sur ça ce matin et qu'on puisse réellement euh, le croire par la foi. Fait que je vais commencer avec un temps de, de prière, si vous le voulez bien. Seigneur mon Dieu, je te prie avant tout pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs qui sont rassemblés ce matin pour cette assemblée, pour ton Église, Seigneur. Je te prie parce que parfois dans des, dans des, euh, des messages, des histoires sur toi, de ton ministère, des histoires incroyables, mais qu'on connaît, on peut rentrer dans une familiarité et soit se dire « Ah, oh, je connais cette histoire-là, je l'ai déjà entendue » ou « Comment Comment je vais l'apporter différemment? On peut facilement rentrer dans un orgueil de savoir quel twist spécial qu'on va y donner, mais ça, c'est d'oublier ta grâce et ta parole vivante qui, elle transforment les cœurs, Seigneur. Je te prie pour que dans cette lecture et cette étude du passage, on puisse vraiment la méditer, que ça ne soit pas juste quelque chose qui nous semble familier, mais quelque chose que, même si ça fait plusieurs fois qu'on a pu l'entendre, que ça soit comme si notre cœur l'entendait pour la première fois. Un bon rappel de, de ta grâce, de ta présence, de ton support inébranlable. C'est toi avec nous dans la tempête, le Dieu qui a créé l'univers et qui est dépassé par rien du tout. Seigneur, c'est ma prière qu'on puisse méditer sur ta nature, sur ta toute-puissance ce matin, dont ton fils Jésus. Donc, si vous voulez bien euh, suivre avec moi, nous sommes dans euh, le chapitre 8 de Luc. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent avec leur téléphone ou sinon on a des Bibles aussi. J'ai vu que tout à l'heure il y avait Diane qui passait, mais si euh, vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main. On va vous en prêter une. On est dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 22. Il va y avoir euh, trois différentes sections, si on peut dire. On va commencer par Jésus qui domine sur la tempête, Jésus qui domine sur la tempête spirituelle et qu'est-ce qui se passe après la tempête? le calme après la tempête. Donc je commence en vous lisant à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, Passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous allons mourir. Il se réveilla. Et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit Où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres Qui est donc cet homme Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Si on commence avec un côté théologique, on va dire Théologique, c'est quand on étudie qui est Dieu. On peut voir ici que Jésus une des choses qui démontre c'est qui démontre qu'il y a la puissance sur la création. Et c'est un point qui est important puis qu'on peut lire tout au long de la Bible, on voit par exemple que l'apôtre Paul quand il écrit à l'église euh, aux Colossiens en fait, va dire la chose suivante. Il va dire à l'église aux Colossiens, le fils en parlant de Jésus, le fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc, en démontrant ici l'apaisement de la tempête, Jésus aussi démontre sa pleine divinité, euh, qu'il était présent dès l'origine du monde, qu'il était présent avec son Père, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, lors de la création et qu'il a la puissance sur euh, la domination sur la création. Si vos enfants, si vous avez des enfants qui sont ici présents à l'école du dimanche euh, pendant l'été, ben, je vais vous le demander. Peut-être qu'il y a des parents qui le savent. Est-ce que vous savez quel passage vos enfants étudient tout au long de l'été cet été? Moi, je le sais parce que je ne suis pas sûr que je l'aurais su pour vous avouer parce qu'on ne fait pas tout le temps un retour avec eux sur qu ce qui a été fait à l'école du dimanche. Mais euh, je l'ai fait il y a trois semaines à peu près. Et. C'était le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et le premier chapitre de l'Évangile de Jean nous dit essentiellement la même chose, mais différemment. Euh, ça commence avec ⁇ Au commencement, la parole existait déjà, la parole en voulant parler de Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. ⁇ c'est le même principe pour montrer, c'est ça qu'on enseigne aussi aux enfants en haut, pour montrer que Jésus, bien, Jésus a tout le temps existé dans une parfaite relation avec son Père et avec le Saint-Esprit dans la Trinité et qu'il était présent euh, à la création, que tout a été créé aussi par lui, ce qui explique que justement il y a cette domination-là sur le vent, sur les flots. Lorsque le psalmiste dans les Psaumes on lit dans le Psaume 89 le verset 9 et 10, on lit que le psalmiste écrit éternel Dieu de l'univers qui est puissant comme toi éternel ta fidélité t'environne et là écoutez bien c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Et ça, c'est un des psaumes dans lequel on parle de Dieu qui contrôle les flots, la tempête, etc. Fait c'est une des façons qu'on parle des Juifs à ce moment-là qui connaissaient bien les psaumes, que lorsqu'ils ont pu voir des choses comme ça, ils ont dit Ah, c'est comme le psalmiste disait Jésus, Jésus dans la barque se lève et contrôle les flots. Est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu c'est ça, cette réalisation-là qu'on voit chez les apôtres de Jésus qui capotent un peu en voyant ce pouvoir-là exceptionnel de leur maître Jésus dans la barque. Donc, quand je vous disais le but du miracle, il y a un des buts, c'est de pointer à la souveraineté de Dieu et de dire aussi de démontrer qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il a le contrôle sur les torrents. Mais il y a aussi un rétablissement de la création. Parce que vous savez, des tempêtes comme ça, extrêmes, des ouragans, des choses qui sont vraiment comme des... des la création, des fois on parle de création qui gémit, la création qui gémit puis qui attend le retour de Jésus complet pour pouvoir redevenir dans sa nature telle qu'elle était prévue à l'origine. On voit que lorsqu'on a un... Un calme complet de la mer. On voit aussi Jésus qui démontre comment les choses devraient être et comment elles vont l'être. C'est le début d'un établissement de son royaume. C'est un pied de nez à l'ennemi en disant Tu vois les tempêtes, toutes ces choses là, je les calme comme ça et éventuellement il y en aura plus de tempêtes. Ça va arrêter les tempêtes, ça va arrêter les maladies, ça va arrêter toutes ces choses là, toutes ces euh, toutes ces distorsions là de la, créa la création de Dieu. L'ennemi se prend un plaisir à avoir détruit un peu toute euh, ou tordue la création par le péché. Et on pense aussi que le péché vient de, de l'homme, que c'est aussi un choix qui a été fait par l'homme lorsqu'il a été euh, soumis à, au, au choix entre le péché ou le, pas le péché. Mais on voit que Jésus est plus fort que ça. On voit qu'il vient rétablir ça. Et il y a une image que je trouve aussi très touchante parce que des fois on dit qu'on on sait que Jésus est 100% homme et qu'il est 100% divin. Mais je crois que c'est un des passages qui nous démontre le plus. Il y a plusieurs passages qui nous le démontrent, mais une vulnérabilité immense de Jésus avec une toute-puissance en même temps. Jésus est dans la barque, épuisé, dans la tempête vraiment intense qui fait capoter tout le monde autour de lui, il dort. Parce que la veille, il a passé toute la soirée à faire des guérisons, à faire des miracles, puis il est brûlé, parce qu'il est aussi humain, comme vous et moi. Il comprend parfaitement votre fatigue, votre souffrance. Il comprend ces choses-là parce qu'il était dans un corps humain. Mais on voit aussi qu'il est 100% Dieu lorsqu'il se réveille et qu'il apaise complètement la tempête. Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Et quand on regarde l'aspect, quand je dis c'est important un côté théologique, mais il y a aussi un côté très pratique parce que qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? La première chose qu'il fait quand ses disciples le réveillent, Bien, il leur demande où est votre foi? C'est intéressant parce que je viens de vous dire que la veille, Jésus a passé la soirée à accomplir des miracles, okay? à guérir des gens. Et ses disciples qui étaient là, ses apôtres, ont vu toutes ces choses-là. Ce n'était pas le premier miracle que Jésus effectuait. Mais si on comprend aussi qu'il y a beaucoup des apôtres de Jésus qui étaient des pêcheurs, et quand je veux dire pêcheurs, je veux dire des pêcheurs, OK. Les pêcheurs qui pêchent, mais ils ne sont pas à leur première tempête, ok n'est pas la première fois qu'ils sont dans une barque qu'il y a une tempête puis qu'il y a un orage. Mais celle-là, il devait être particulièrement intense parce qu'il capote. Puis quand ils réveillent Jésus, ils doivent se dire dans le fond de leur tête, là, je suppose, ok Mais ils doivent se dire, on va le réveiller puis Jésus, il va se réveiller, il va faire comme, oh boy, hey, les gars, une chose, vous m'avez réveillé parce que vous avez raison, celle-là, c'en est toute une. Mais Jésus, quand il se réveille, il leur demande où est votre foi. Les apôtres l'ont vu accomplir des miracles, mais il y a quand même un doute en eux. Ils connaissent Jésus comme un Jésus un peu comme super-héros qui a des grands pouvoirs. Mais là, tu vois qu'il y a comme une réalisation supplémentaire parce que après avoir calmé les eaux, qu'est-ce que les apôtres disent Ils disent qui est donc cet homme, comme s'ils le connaissaient pas, mais ils le connaissent. Là. « Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » C'est comme s'il y avait une nouvelle réalisation, une découverte plus intense de qui est Jésus. Et ça, nous sommes tous appelés à le faire et à le redécouvrir. Parce que des fois, on va dire, « Ah, oh, Jésus, il était à travers moi dans cette épreuve-là, puis il m'a soutenu. » Mais des fois, on peut avoir des épreuves qu'on est comme, oh, « Non, là, c'est trop gros. » Puis même si on le sait, on, on le sait dans notre tête, mais dans notre cœur, on le sait pas. Puis on pense que Jésus, il peut pas nous supporter là-dedans, que Jésus, il serait dépourvu, qu'il serait pris. Euh, c'est un mensonge qu'on peut avoir dans notre cœur dans ces situations comme là. Mais on voit que là, à ce moment-là, les disciples se rendent compte que c'est pas juste Jésus super héros, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, celui qui a créé tout l'univers, c'est lui qui est d'embarque avec eux autres. Ce n'est pas Jésus qui dort, c'est Dieu qui est tout le temps avec eux, puis qui peut tout le temps les supporter et qui a le pouvoir sur absolument tout. Il n'y a rien qui est hors de son contrôle. C'est ce qu'on voit ici comme réalisation, c'est ce que j'espère que moi, ça m'a fait du bien de le méditer cette semaine, de dire non, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et ça me fait aussi du bien parce que des fois, on se projette dans l'avenir et on est inquiet. Je ne suis sûrement pas la seule personne, des fois, qui a des craintes quand on vit trop dans l'avenir. Mais quand on se rappelle qui vais-je craindre, quand on se rappelle que c'est Dieu, Jésus dans la barque avec nous, le, le Maître Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le, le Créateur de tout, dans le psaume 27, on lit L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter Malheureusement, souvent, ce qui dit que notre foi, c'est nos circonstances. Quand ça va bien, notre foi va bien, puis quand ça va mal, notre foi va moins bien, puis on est rap rapidement euh, jeté de bord et l'autre avec les vagues parce que nos circonstances changent. C'est ça qui va dicter souvent notre foi. Quand on devrait méditer sur la nature de Dieu, sur sa toute-puissance, qu'il n'y a rien qui le dépasse, puis qu'on n'a rien à craindre parce que Dieu est à nos côtés tout le temps. Si on regarde maintenant un autre type de tempête, une tempête plus euh, spirituelle, on va dire aussi. Euh, C'est intéressant de voir aussi, il y, a, il y a un aspect chronologique, comme quand on lit, euh, si on regarde par exemple l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et là ici l'évangile de Luc, vous pouvez retrouver ces, euh, cet épisode-là dans la vie, dans le ministère de Jésus, dans ces trois évangiles-là. Et dans les trois cas, ils vont tout le temps être relatés que Jésus a traversé. Euh, le, le lac, que ça leur rétablit dans le fond le, euh, le vent et euh, la mer. Et ensuite, on arrive à cette libération-là d'une euh, tempête spirituelle. Donc, il y a une suite chronologique. Mais il y a aussi une suite super intéressante, je pense, dans la thématique de Jésus qui vient d'enlever de tout le vent, donc quelque chose de très matériel, mais qu'après, il va avoir un, un contrôle aussi instantané mais sur une tempête qui affecte l'esprit d'un homme euh, qui est pris avec plusieurs entités mauvaises dans sa tête. Donc on voit qu'il y a autant l'autorité sur la tempête physique que la tempête spirituelle. Je vais continuer si vous voulez suivre avec moi dans votre Bible. On est rendu au verset 26 pour savoir comment Jésus domine sur la tempête spirituelle. Donc le lendemain, ils ont traversé le lac, ils arrivent de l'autre côté. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit Il dit, Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonna en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda Quel est ton nom Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Une légion, c'est une unité romaine de 6000 soldats. Donc, ça veut dire bien du monde, en gros. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de, de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand on lit l'évangile de Marc, il y a une précision supplémentaire qui nous dit qu'il y a environ 2000 cochons qui se sont lancés dans l'eau. Ça n'en ça, ça fait. En fait des cochons et surtout ça n'en fait des mauvais esprits qui accablaient cet homme. Je conseille des... ben, premièrement de reconnaître que c'est une histoire bizarre. OK, <laughs> on va reconnaître ça déjà en partant. Euh, aussi, de dire que euh, ici, on a une, hist une histoire claire qui nous parle qu'il y a des entités démoniaques qui ont le contrôle de cet homme-là. Euh, que dans notre réalité de tous les jours, euh, des fois, c'est compliqué. On a des, euh, des problèmes de santé spirituels ou des problèmes de santé aussi mentale. Euh, puis ce n'est pas toujours clair et aujourd'hui, je ne vais pas déconstruire qu'est-ce qui, euh, qu qui nécessite une médication, mettons, et qu'est-ce qui est une, euh, une possession démoniaque. Mais je vais juste dire que c'est un concept biblique d'imaginer que oui, ça existe des démons, puis oui, il y a des démons qui peuvent posséder des gens. Maintenant, il faut être prudent à savoir qu'est-ce qui est quoi. Sauf que c'est quand même quelque chose que l'on croit. Fait que si c'est la, la première fois que tu entends ça, tu es comme Oh, ça, je trouve ça difficile. Oui, nous autres aussi, des fois, on peut trouver ça difficile parce que ce n'est pas une réalité qu'on voit tout le temps. Mais c'est quand même ce que nous enseigne la parole de Dieu qui est notre autorité. Donc, la première observation étonnante que je veux faire, c'est c'est quoi la réaction du démoniaque quand il voit Jésus pour la première fois Qu'est-ce qu'il lui dit Parce que. Mettons que tu regardes des films d'horreur ou des choses comme ça, puis que tu as comme cette idée-là, on pourrait croire que la première chose qu'un démon dirait, c'est comme. Euh, tu sais, qu'il cracherait à la face de Jésus ou qu'il crierait, puis qu'il serait comme. Euh, qui qu blasphèmerait. Et oui, il peut faire ces choses-là, sauf que le, le démoniaque regarde Jésus, puis il dit Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. C'est spécial hein, de penser que moi et vous et les êtres humains, qu'on a tellement de moments de doute, puis qu'on peut douter que Jésus est vraiment puissant, que Jésus est vraiment le fils du Dieu très haut. On peut ne pas trop craindre Dieu non plus, mais on voit que le démoniaque reconnaît que Jésus est le fils de Dieu et a vraiment peur. Fait que d'un certain point, le démoniaque a une théologie vraiment sa coche. Il comprend vraiment c'est qui Jésus, il comprend vraiment c'est qui Dieu. Est-ce qu'il y a le salut? Non. C'est plus qu'une théologie de suivre Jésus. C'est une question de foi, c'est une question de relation, c'est une question d'amour envers Jésus. Puis il ne faut pas l'oublier parce qu'on peut vraiment bien connaître Jésus dans notre tête, théologiquement, mais que finalement, on ne le connaît pas pantoute puis on n'a pas crainte de lui, puis on ne trouve pas un secours en lui, puis euh, on doute de sa toute-puissance. Et ça, je le dis pas pour... Euh... J'ai aimé ça quand j'allais au camp des boulots, je vais reprendre quelque chose que le, le, le conférencier disait, c'était Philippe Baudouin qui est à Axe 21. Il disait, des fois, on parle de... Quand, quand on suit Jésus, on a une transformation. C'est vrai qu'on a une transformation, une transformation qui peut être graduelle, mais il y a des hauts et des bas dans notre processus de sanctification. Fait que des fois, on parle d'une saison, puis quand je dis qu'on doute de la souveraineté de Dieu, ben, on peut douter de la souveraineté de Dieu quand ça fait 25 ans qu'on le suit. Puis on a besoin des uns et des autres pour se le rappeler, puis on a besoin de la parole aussi pour le, se le rappeler, la méditer, puis laisser notre cœur être transformé, puis être humilié là-dedans. Fait que c'est des up and down. Okay? C'est pas de dire Ah, oh, ben il y a 10 ans, je doutais de ça, mais maintenant, je suis rendu saint. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on en a besoin quotidiennement de se le rappeler. Notre pain quotidien. Quand on parle des démons, Jacques euh, l'écrit justement dans Jacques 2,19. Puis il dit Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. J'ai tout le temps trouvé ça comme impressionnant justement de voir ça, de voir comme Oh, oui, les démons ils savent c'est qui Dieu, ils savent c'est qui Jésus, ils tremblent, puis ils croient en Dieu. Mais ils le savent, ils savent que c'est une réalité. Je vais encouragé, j'ai parlé de ça, mais puis c'est pas pour pointer le doigt. Qui, quand je lance ça dans les airs, j'ai ai personne en tête. Okay? Mais il y a une formule des fois qui m'inquiète, que j'entends des fois. Tu sais, des fois, on peut dire, ah oh, ben, tu sais, moi j'ai 30 ans de vie chrétienne. Gloire à Dieu si ça fait 30 ans que tu chemines avec, avec Jésus. C'est une bénédiction. Mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose de, ah, oh, je suis arrivé, je suis arrivé à destination. J'ai 30 ans de vie chrétienne. Tu sais, les histoires comme cette histoire-là du démoniaque avec 2000 démons, pff, et j'ai entendu 10 différentes prédications là-dessus, toutes les angles différents. C'est du petit lait. C'est du petit lait. Moi, je veux de la viande. Tu sais. Mais une église, ce n'est pas un séminaire théologique. Une église, c'est une communauté, c'est l'église de Dieu dans laquelle on est invité à grandir et à obéir ensemble et à se rappeler qui est vraiment Jésus et à s'encourager dans une relation, à marcher ensemble avec Jésus. C'est intéressant de voir la providence de Dieu sur les démons aussi. Euh, un démon, c'est un ange qui est déchu. Qui a créé les anges? C'est Dieu. Dieu a tout créé. Donc, quand les démons voient Jésus, le Fils de Dieu, ben, ils savent que c'est lui qui a créé les anges, ils savent qu'ils ont le contrôle sur lui, et même ils connaissent leur destination finale. Les démons disent, ils supplient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ils savent où ils s'en vont éventuellement, ils savent leur destin, ils disent, oh non, on préfère que tu nous envoies dans les ports plutôt que de nous envoyer dans l'abîme où on va rester là pour l'éternité et euh, être jugés pour l'éternité euh, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils connaissent leur destination. Si vous regardez le site Internet ok, on a des faces, il y a une couple de personnes qui ont leur face sur le site Internet. Là. Moi, j'ai ma face sur le site Internet. Puis il y a un verset à côté de, de notre nom. J'imagine que, que c'est mon verset préféré, même si je trouve ça... Oh, difficile de dire ça, c'est mon verset préféré de la Bible, parce qu'il y a tellement de, de, de super perles, de beaux versets dans la Bible, que c'est difficile d'en choisir un. Fait que je vais vous dire, c'est mon préféré pour moi dans mon cœur. Okay? C'est celui qui me parle le plus actuellement. C'est un verset qui me donne un très grand réconfort face à l'avenir, face aux inquiétudes. Et c'est dans Romains 8, c'est les versets 38 à 39 qui nous dit, En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le verset que j'aime le plus méditer en sachant, ok, est-ce que je crois que c'est vraiment vrai? Puis quand je crois que c'est vraiment vrai, ça change comment je marche, puis comment je vois le futur aussi. C'est pour ça qu'on devrait dire aussi que si tu marches avec Jésus, que c'est lui ton maître, tu ne peux pas réellement être possédé par un esprit qui te ferait peur et qui serait démoniaque. Parce que c'est Dieu qui te possède. C'est lui qui t'a, puis il n'y a rien qui peut t'enlever de là. Est-ce que tu peux être soumis par l'influence d'un péché qui reste dans ton cœur, soumis par l'influence de quelque chose qui est négatif, de quelque chose qui est méchant? Oui, mais tu ne peux pas être possédé. C'est Dieu qui te possède. Quand tu mets ta foi en lui, que tu déclares que c'est ton Dieu, il n'y a rien qui peut t'enlever de ses mains. Ni la mort, ni la vie, ni rien du tout. Ni les démons, ni les dominations, ni la maladie, ni rien. Et on arrive maintenant au calme après la tempête. Jésus a libéré cet homme-là de ses influences démoniaques, mais après la question, c'est OK, puis après, qu'est-ce qui se passe après? au verset 34. Et là il y a deux réactions. Il y a les gardiens du troupeau qui capotent un peu en voyant qu'ils ont deux 2000 cochons qui viennent de se pitcher dans l'eau. Puis il y a la réaction du démoniaque qui est libéré de cette oppression là vraiment intense. Au verset 34, on lit quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ils s'en vont partout puis ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils, ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens, donc complètement différent. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux. Car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Je vais commencer avec le point que, honnêtement, je comprends moins. Puis c'est probablement le point que j'ai fait le plus de recherches sur des commentaires bibliques en me disant peut-être que je manque un aspect que je ne comprends pas. Puis c'est pourquoi les habitants, quand ils voient ça, donc ils ont vu le miracle, ils ont vu que cet homme-là n'est clairement pas le même, qui était complètement genre euh, démoniaque, qui n'avait aucun contrôle, qui se promenait dans les, euh, les cimetières, qu'il fallait qu'il l'enchaîne pour ne pas qu'il se fasse mal, puis il était tout nu. Puis là, il est habillé dans son plein sens, il est capable de parler, puis là, ils capote, puis on ont peur. Puis ils craignent. Puis ils demandent à Jésus de s'en aller. Puis je ne comprenais pas tant. Je <laughs> me ben voyons, pourquoi ils ont peur? Je vais vous dire ce que j'ai lu dans différents commentaires et je vais vous laisser. Il y a des choses que des fois on se dit, ah, OK, je pense que c'est plus ça, je pense que c'est plus ça. Certains commentaires parlaient d'une perte économique parce que quand euh, ton troupeau, c'est comme la, la façon principale que tu as de manger, tu t'en vas pas au IGA. Eh bien, quand t'en en as 2000 qui se pitchent dans l'eau, tu pas content. C'est peut-être une perte économique qui fait que les, qui ont dit OK, votant parce que là, nos cochons, on les aime, puis on veut manger. C'est peut-être ça. Mais j'ai l'impression que ça ne dirait pas que le peuple était dans la crainte, puis qu'ils craignait, puis qu'ils ont demandé à Jésus de s'en aller parce qu'il y avait peur. D'autres personnes ne savent pas trop aussi si les personnes qui étaient sur cette île-là étaient juifs ou non-juifs parce que c'était interdit pour les juifs de manger du bacon puis du cochon. Qu Est-ce que c'est des personnes qui sont juives puis que là, ils mangent du cochon, puis qui sont comme, OK, mais va-t'en parce que là, nous, on mangeait du cochon ici sur notre île, puis là, on ne voulait pas que les gens le sachent. Je sais pas. Okay? Je sais pas non plus si c'est ça. J'en suis arrivé à la conclusion que lorsqu'on est aux prises avec le péché, puis qu'on est pécheur, on peut réellement craindre Jésus, puis qu'on ne va pas nécessairement l'accueillir. Parfois, on peut dire... Euh, on peut donner des excuses, je vais dire, mais des, des excuses, des fois, qui sont bonnes, mais genre des doutes qu'on va avoir. Fait qu'on va dire, ah oui, mais moi, j'ai beaucoup étudié sur ça, j'ai beaucoup étudié sur l'histoire, puis je pense que Dieu, Jésus, il n'a pas vraiment existé, etc. Mais plus profondément, ça se pourrait que ça soit... Ben je sais, je, 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 le, je le formule de même, OK? Il y a, il y a une personne, un, un scientifique, qui était vraiment réputé pour être... Euh, ouvertement contre l'Évangile euh, par rapport à l'historicité de l'Évangile. Puis euh, sur son lit de mort, il n'a pas, euh, il y a pas euh, viré de bord complètement et dit, je reconnais que Dieu est mon sauveur. Mais euh, dans une espèce d'élan, mettons, de lucidité, parce que des fois qu'on euh, qu sait qu'on va mourir, euh, on parle avec plus de franchise, mettons, euh, il disait la personne avait dit si, « Si on pouvait te prouver absolument que Jésus est vraiment qui qu'il disait, est-ce que tu le suivrais? » Puis, on se rend compte que pour lui, en tout cas, ce n'était pas juste intellectuel, parce que c'était comme « ben je le sais qu'il faudrait que je change, il aurait fallu que je change des choses dans ma vie. » Des fois, il y a ça, ça peut devenir un peu une barrière qu'on va utiliser pour réaliser comme « Ok, je le sais que ces choses-là, ça ne plaît pas à Dieu, puis je le sais que ça ferait un gros bouleversement dans ma vie. » C'est l'équivalent de se pitcher dans le vide. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Dieu. C'était l'espèce d'idée de je me garoche dans le vide en priant que Dieu y est vraiment qui qui puis que c'est un filet qui va me supporter pour, pour tout le temps. Euh, donc je pense que c'est plus ça qu'on a affaire à des gens que même devant la toute puissance ils ont peur parce que euh, ils veulent pas vraiment être guéris de leur péché puis ils ont peur. De la toute puissance de Jésus. Maintenant, si on arrive à l'homme qui a été libéré, j'ai rajouté une précision parce que quand on lit la même, le même passage, mais dans l'évangile de Marc, ça nous dit que Jésus lui dit de retourner chez lui, mais ça nous dit aussi qu'il dit d'aller proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout c'était dans l'étonnement. La Décapole, c'est comme un endroit qui avait plusieurs personnes de différents peuples qui se rassemblaient à cet endroit-là. Euh, ce n'est pas, euh, pas la Californie, là, mais je veux dire, dans le sens que ce que je veux dire, c'est qu'en Californie, il y a peu de gens qui naissent en Californie, tu sais, comme la plupart des gens qui sont euh, à Los Angeles, ils arrivent de plein d'autres différents endroits du monde. Bon, fait que la Décapole, on va dire que c'est similaire. Donc, lui, Jésus, il a demandé aux démoniaques d'aller à cet endroit-là. Où des gens le connaissaient pour proclamer qui était Dieu, et en sachant que les gens qui étaient là sont probablement aussi retournés chacun dans leurs différents coins de pays, puis qui ont aussi proclamé la nouvelle de Jésus. Essentiellement, ici, Jésus envoie le premier missionnaire. Il envoie le premier missionnaire, il lui dit de retourner chez eux, puis de témoigner de qui qui est. Puis c'est vrai que, quand on y pense, la transformation de cet homme-là, devait être un témoignage exceptionnel dans les gens qu'il le connaissaient parce que les gens ils savaient que cet homme-là tu te tiens lui, loin de lui parce que pour vrai là, il est même pas il se fait mal à lui-même, il fait mal à tout le monde, il fait peur, il est démoniaque. Puis là quand ils voient qu il voit qu'il arrive puis qu'il est complètement changé, puis ils disent qu'est-ce qui s'est passé? Ben tout ce qu'il a à dire c'est Jésus m'a libéré. C'est tout. C'est ça qui a à dire. Et, la transformation qui peut s'effectuer dans notre vie, c'est un moyen d'évangélisation qui est énorme. C'est juste qu'il faut donner la gloire à Dieu. Si ça l'arrive, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, que des gens remarquent un changement, puis qui vous disent « Hey, il me semble que ça, ça a changé dans ta vie, je le vois que ça a changé. » Puis, des fois, on a comme une peur de dire « Ah oh, oui, ben, j'ai travaillé sur moi-même. Euh, oui, euh, tu sais, maintenant je suis papa, ça que ça travaille ma patience. » C'est vrai ces choses-là, mais on devrait dire en premier, Ouais, Jésus, il me transforme à chaque jour. Mais ça fait peur un peu de le dire parce que on veut pas avoir l'air niaiseux. Okay? Mais la réalité, c'est que quand on suit Jésus, on est un peu appelé à avoir l'air niaiseux, mais pour la gloire de Dieu. Hein? Donc, si on regarde l'expérience de l'homme, euh, parce que la première chose, quand il est libéré, il dit à Jésus Je veux te suivre. Je vais aller où tu vas, je veux juste te suivre. Il le supplie, il est à genoux. Je veux te suivre, tu es mon sauveur. Mettons qu'on se met dans ces bobettes, là, cette personne-là, mais là, on... mettons que je vous dis, vous êtes sur une île déserte. En plus, ça nous dit que les démons dans lui faisaient qu'il se promenait un peu n'importe où, puis il allait se perdre dans le désert, OK fait que mettons, tu es dans le désert avec des écouteurs sur la tête, que j'ai enregistré mille voix différentes qui parlent sans arrêt, jour et nuit, tu ne peux pas t'en défaire, ok? C'est tout le temps là, ça te tourmente constamment. Tu es là, il y a personne qui veut s'approcher de toi, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis il te libère de ça. Il t'enlève tes écouteurs, puis là, tu es dans le désert, tu ne sais pas trop où tu es. J'imagine que tu t'en fous un peu, tu sais qui la personne, puis tu vas juste être comme, ok, je veux juste te suivre, je veux juste te suivre, parce que là, tu as un sauveur, là, c'est vraiment concret. Quand Dieu nous libère, quand Jésus nous libère, c'est supposé être ça aussi. De dire Ah, oh, il y avait une vie avant, puis il y a une vie après, puis je veux te suivre, Jésus. Je veux, euh, peu importe où tu vas, je veux te suivre. On ne le vit pas tout le temps aussi, de façon aussi intense que ce démoniaque-là, mais c'est quelque chose de, duquel on peut apprendre, je crois. Complètement sans repère. Fait qu'il veut suivre son Sauveur. Puis. Parfois, je me dis, j'aurais aim, aimé ça, être comme un apôtre, puis que Jésus soit devant moi, puis qu'il me dise, OK, là, vous allez là. Là, vous faites ça. Parce que là, tu as juste à écouter Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres qui, euh, qui était un peu les, 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 ben, les prêtres, les, les ressources spirituelles, dans le fond, pour le peuple, pour rentrer en contact avec Dieu, qu'elle allait au temple, qu'elle allait offrir des sacrifices. Et sur le plastron des prêtres, parce qu'il y avait un genre d'habit de, de, que Dieu leur avait demandé d'avoir. Donc, euh, ça, c'est dans l'Ancien Testament. On parle de deux outils que les prêtres avaient qui sont très flous, pour être honnête. Là, on n'a pas une description exacte de c'était quoi, ces, ces outils-là. Mais ça s'appelle l'urim et le... Ou le tumim, je suis pas sûr. Okay? C'est comment qu'on le dit. Ces deux objets-là servaient à, par exemple, si les gens allaient consulter les prêtres, puis dire est-ce qu'on devrait aller euh, attaquer ce peuple-là Est-ce qu'on devrait semer euh, à tel moment okay? Est-ce que la famine va arrêter bientôt Des choses comme ça. Okay? C'est essentiellement des outils de divination, mais que Dieu utilisait, qu'on n'utilise plus maintenant. Puis là, les prêtres, ils lançaient ça, puis ils interprétaient ça. C'est une genre de divination, mais guidée par Dieu. fait que c'est des questions répondables par oui ou par non. Tu sais. C'est assez limité. Ou même, on voit que quand le peuple est sorti de l'Égypte, il y avait une colonne de feu, puis il, Dieu disait Suis la colonne de feu. fait que le peuple, il suit la colonne de feu. C'est facile, là. La colonne de feu est là, jour et nuit. Le, ça disait que dans le, la journée, on voyait que c'est comme plus de la fumée, dans la nuit, c'est comme une grosse colonne de feu. Puis ils suivaient. Est-ce que vous aimeriez ça des fois que ce soit clair de même Parce que quand on parle d'un appel pour tous, des fois l'appel n'est pas si clair que ça. Puis quand Jésus il est parti aussi, les disciples, y capotaient un peu parce que quand Jésus est revenu, qu'il a été ressuscité, Jésus leur a dit qu'il n'allait pas tout le temps, ben, qu'il allait tout le temps être avec eux, mais qu'il allait monter auprès de son Père mais qui allait tout le temps être là quand même dans leur cœur. Puis il dit, c'était préférable pour eux. Je vais vous lire dans Jean 14. Jésus dit à ses disciples, Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Je vais sauter jusqu'au verset 25, on est encore dans Jean 14. Jésus dit, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, c'est comme celui qu'on connaît moins de la Trinité, ou celui qu'on parle moins, mais en réalité... C'est Jésus nous promet et nous dit que lorsqu'on marche avec lui, lorsqu'on passe par les eaux du baptême aussi, puis qu'on veut lui donner notre vie, il nous donne son Saint-Esprit pour pouvoir nous guider. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas besoin d'une colonne de feu devant vous, vous n'avez pas besoin de pitcher des outils de divination pour savoir est-ce que je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça, parce que Dieu vous donne une église, son église, des frères et des sœurs, et Dieu vous donne le saint-esprit qui vous aide à vous guider et à méditer même si le processus nécessite une relation et est plus difficile euh, j'ai lu un livre qui s'appelle call to ministry parce que dans mes études en ce moment on, ben, pour être je suis déjà pasteur mais pour être pour avoir une maîtrise hein, okay, vous comprenez okay. <laughs> dans le sens que je pense pas que la maîtrise va faire en sorte que je vais être plus être votre pasteur mais euh, J'apprends beaucoup à travers ça, à travers cette formation-là. En ce moment, je travaille justement sur un, une, une compétence qui est par rapport à l'appel, puis je lis ça. Et ce que je vous parle en ce moment est un peu issu de ce livre-là qui s'appelle Call to Ministry, qui a été écrit dans les années 60. Puis ce que j'ai trouvé marquant, c'est que ça disait quand on a un jeune enfant, on lui dit oui ou non. On lui dit mange pas de la craie, mange des légumes. OK? Oui, tu manges ça. Non, tu manges pas ça parce qu'il est pas capable de choisir par lui-même, c'est le processus naturel. Mais quand on devient un jeune adulte, quand on devient même un adolescent ou un adulte, ben tes parents, ils te disent plus oui ou non, ils peuvent te conseiller, ils peuvent te guider, mais de la même façon par Jésus, quand Jésus est arrivé ici, on a accès à une relation tellement plus privilégiée avec notre Dieu qu'on peut être en relation, qu'on peut méditer, qu'on peut lui demander, qu'on a le Saint-Esprit en nous puis qu'on a son église aussi auquel on appartient. Et que c'est de loin meilleur pour nous d'avoir ça que de pouvoir pitcher des dés et savoir qu ce qui va se passer pour suivre comme des robots. Euh, Aujourd'hui, on va partager ensemble le repas du Seigneur. Je vais demander à, à Alex de, de venir euh, se, ben, en avant. Et... Euh, avant qu'on vienne chercher les, les éléments, le, le pain et le jus de raisin qui représentent le corps de, de Jésus brisé à la croix pour nous, puis le, le, le sang que Jésus a versé aussi à la croix, j'aimerais qu'on médite, parce qu'aujourd'hui, on parlait de Jésus qui a le contrôle sur la tempête. J'aimerais qu'on médite sur la toute-puissance de Jésus, qu'on se rappelle que les gens. Il y a des gens qui pointaient Jésus quand il était à sa croix, puis qui niaisaient, puis qui disaient, hey, ⁇ Eh, si tu es si fort que ça, puis si tu si tout-puissant que ça, pourquoi tu ne te libères pas de ta croix ?⁇ Mais quand on voit Jésus qui a le contrôle sur la tempête, Jésus qui a le contrôle sur 2000 démoniaques, on peut dire que ce n'était pas grand-chose de descendre d'une croix et qu'il avait le pouvoir de le faire. Donc c'était complètement volontaire de sa part d'être un agneau immolé, d'être un sacrifice vivant pour nous, pour chacun d'entre nous. Que c'est le Dieu tout-puissant dans la, dans la personne de Jésus qui est mort pour nous à la croix. Que c'est le lion de Juda qui est devenu l'agneau sur la croix, qui est devenu faible pour nous qu'en réalité il est tout-puissant. Donc, j'aimerais qu'on médite là-dessus lorsqu'on va euh, partager ensemble le repas du Seigneur.